CIST peut être la meilleure façon pour elles de rendre hommage à leur mère. 4 mois après la mort de Jane Birkin, ses filles Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon ont annoncé sur le compte Instagram de leur mère ce mercredi 14 novembre qu'un concert hommage allait bientôt être donné en son honneur. La chanteuse décédée en juillet dernier avait en effet été contrainte à la suite de ses problèmes de santé à mettre fin à sa tournée au « Pardon tu dormais », du même nom que son dernier album. Pour que la conclusion de cette tournée ne soit pas un mauvais souvenir, les deux femmes ont décidé de ne prévoir une dernière date, le 3 février 2024 à l'Olympia à Paris, où les chansons de l'artiste seront reprises par des amis et des proches de cette dernière. Parmi eux se trouveront bien sûr Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon, mais aussi des personnalités comme Fanny Ardant, Carla Bruni, Étienne Dao, Thomas Dutronc, Sandrine Kiberlin, Vanessa Paradis, M, et encore beaucoup d'autres. Alors que la billetterie pour l'événement est déjà ouverte, les deux sœurs qui ne se quittent plus ont également annoncé que l'intégralité des bénéfices de ce concert exceptionnel sera reversée au profit de l'association Les Restos du Cœur. Un très beau geste qui honore la mémoire de leur mère et qui couronne une soirée qui s'annonce riche en émotions. Obsèques de Jane Birkin, sa famille et ses proches réunis pour un ultime adieu Jane Birkin, cet hommage rendu par le roi Charles III. Depuis la mort de Jane Birkin, de nombreux hommages à l'égard de la chanteuse ont été rendus. Si Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon n'ont pas manqué de mentionner à plusieurs reprises la mémoire de leur mère, d'autres personnalités, parfois inattendues, ont tenu elles aussi, à saluer la chanteuse à la suite de sa disparition. Si est-il le cas notamment du roi d'Angleterre Charles III, qui, lors de sa venue en France, a évoqué Jane Birkin lors de son discours au dîner d'État organisé à Versailles en ces termes, la regrettée, l'incroyable Jane Birkin, la plus française des Britanniques, qui a aidé à définir notre destinée commune, sur l'écran et dans la vie réelle. Des mots qui ont particulièrement touché Charlotte Gainsbourg, présente ce soir-là au dîner. Crédit photo, Coadic Guirec.